Les membres de l'Amicale des anciens étudiants de la Tunisie ont tenu cet après-midi leur assemblée générale dans les locaux du CEFOD. Objectif, mettre en place un nouveau bureau. Mohamed Souleymane, précision. L'Amicale Carthage des anciens de la Tunisie renouvelle son bureau exécutif. À l'issue de cette assemblée générale, un nouveau bureau composé de 11 membres et dirigé par Ahmad Bedey Touloumi a été mis sur pied. L'enregistrement du bureau exécutif et la création des autres structures organisationnelles au sein de notre amicale, à savoir le conseil consultatif, la cellule féminine et la commission scientifique. Tous ces organes auront pour attribution le rapprochement des uns vers les autres dans un esprit de solidarité, amour et l'entraide. Notre présente assemblée marque donc dans ce moment opportun un début de ces activités. À ce titre, M. Zakaria Idriss Déby a été choisi comme président d'honneur de l'Amicale Carthage des anciens de Tunisie. Créée en 1995, l'Amicale Carthage des anciens de la Tunisie s'est fixée comme objectif de promouvoir l'entraide, préserver les liens d'amitié et de solidarité entre les membres et de développer les relations de coopération avec les autres associations défendant les mêmes intérêts.